Bienvenue dans cette vidéo Gym 12 numéro 1. Je vous propose de réaliser des exercices d'étirement, de renforcement et un petit peu de gainage. On est parti donc pour une petite dizaine de minutes. Je vous propose de vous installer debout pour commencer. Positionnez vos pieds largeur du bassin, largeur de vos hanches, bien parallèles. Essayez de trouver déjà un bel étirement au niveau de la colonne vertébrale. Relâchez bien vos épaules. Et puis n'hésitez pas à rentrer légèrement le ventre, à étirer la nuque et déverrouiller vos genoux sans fléchir pour autant les jambes. Je vous propose de commencer par trois grands cercles dans un sens. Essayez de ne pas bouger vos épaules, respirez tranquillement. Passez bien devant sur les côtés. Changez de sens de rotation. Maintenez une taille étirée et revenez au centre. Comme nous serons amenés à aller au sol, prendre des appuis sur les mains, je vous propose d'échauffer un petit peu les poignets. N'hésitez pas à faire de grands cercles dans un sens, dans l'autre. On peut aussi aller sur des vagues qui entraînent la montée des coudes. On peut changer de sens. Allez, ok. On est parti pour des descentes en quadrupédie. Donc, 4 appuis, 2 mains, 2 pieds en gainage. Vous pouvez les présenter un petit peu décalés comme ceci. Essayez de bien vous étirer pendant la phase donc, de gainage. Et puis, revenez en fléchissant bien sur vos jambes. On est parti avec enroulé par la tête. Fléchissez vos jambes. Allez chercher le sol avec les mains, marchez. Et vous êtes installé en gainage, essayez de rentrer le plus possible le nombril vers la colonne vertébrale. Repoussez bien le sol avec les deux bras tendus. Les deux mains posées à peu près à la largeur, correspondant à la largeur de vos épaules. Étirez bien la nuque. Et on revient en marchant avec les mains. Venez déposer vos deux talons. Déroulez votre colonne vertébrale en lâchant bien les bras. Rentrez bien le ventre. Allez chercher un bel étirement bras sans épaule sur le côté. Puis dans le plan vertical, on essaie d'étirer le plus possible ici les bras vers le plafond. On projette le sternum, le plexus solaire vers le plafond, le visage également face plafond. Et on redescend lentement. Et on est parti encore pour 3 fois. Je relâche. Je marche. Épaule au-dessus de vos poignets. Restez bien dynamique, repoussez vos talons vers l'arrière, trouvez la plus grande distance possible entre le sommet de la tête et vos talons. Et marchez, revenez. Et déroulez. Et écoutez. Expirez, rentrez le ventre. Vous pouvez inspirer à la fin pour aller chercher une plus grande ouverture ici, au niveau du thorax. Et je reviens. Descendez bien vos épaules et repartez. Flexion. Marche, 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 marche. Projette. Serrez légèrement les fessiers, repoussez bien les talons, grande nuque, et reviens. Talons dans le sol. Lâchez les épaules. Serrez le ventre. Expirez, puis inspirez dans la position arche ici. N'hésitez pas vraiment, il faut laisser le bassin, le ventre bien rentré, le bassin dans l'axe, alors qu'ici, on projette vraiment le sternum. Et dernière fois, repoussez, repoussez. Allez, pour le petit plaisir ici, on essaye, pour ceux qui voudront, une petite pompe. On va chercher ici le sol sans lâcher le dos et on déroule. Ok, bien, on enchaîne ici avec des étirements latéraux. On peut ici écarter un petit peu plus les pieds, pratiquement largeur des épaules. On va aller chercher un étirement sur le côté. Puis un retour du bras opposé. Vous devez sentir vraiment un étirement important dans le côté. Et tu reviens. Face. Même chose de l'autre côté. Cherchez d'abord à attraper. Puis emmener. Essayez d'étirer le plus possible la colonne avec la tête dans l'axe. Ici et tu reviens.
Encore une fois, expirez. Essayez de garder l'épaule bien basse, ne la montez pas sur l'oreille. Revenez face et réouverture. On engage un étirement du dos avec une descente progressive, nombril rentré et une tête loin des épaules. On vient maintenant chercher la proximité côte-cuisse, main dans le sol. Essayez de projeter la tête le plus possible vers le parquet. À partir d'ici, vous allez ouvrir le bras, le gauche sans doute pour vous ici, pour une grande ouverture costale. Poursuivez votre main avec le regard, gardez bien vos deux genoux parallèles et revenez. Changez de côté, ouvrez le bras, tournez la poitrine, vérifiez vos deux genoux, restez sur jambes fléchies. Et revenez. On essaye une deuxième fois en essayant d'allonger la jambe du côté où se fait l'ouverture. Expirez bien, gardez vos deux talons dans le sol. Et revenez. Même chose de l'autre côté. Et revenez. On va chercher le sol, on dépose les genoux. Placez-vous en tailleur. Et on est parti pour les étirements, principalement au niveau du dos. On va enrouler la tête, le haut du dos. Laissez les mains glisser le long des tibias. Accrochez les mains aux chevilles. Essayez de rapprocher la tête le plus près possible de vos orteils. Ça doit tirer énormément jusque dans le fessier. Et puis, tentons une projection dans un plan incliné. Positionnez dans un premier temps votre bassin et puis essayez d'aligner la colonne vertébrale en commençant par les lombaires, les dorsales puis les cervicales. N'oubliez pas la tête toujours dans le prolongement sans la casser ni vers l'arrière ni vers l'avant. On va un peu plus loin dans cet étirement en essayant de projeter les bras dans cet alignement dos. Respirez et revenez tranquillement dans une belle verticale. On va repartir cette fois-ci le dos plat. On essaye de l'emmener le plus loin possible dans ce plan incliné. Puis lorsqu'on ne peut plus le maintenir, eh bien on va poursuivre quand même l'étirement en laissant le dos se courber, mais toujours dans cette recherche d'aller projeter la tête le plus loin possible du bassin et le plus près possible des orteils. Et nous venons dérouler en repositionnant le bassin et chercher toujours à rentrer le ventre et trouver une belle verticale dans le dos. Essayons de trouver maintenant une position arche ici. Il s'agit donc, comme tout à l'heure dans la station verticale, de maintenir le bassin et le ventre dans un plan vertical et de chercher cette ouverture costale sans crispation des épaules. Je vous invite d'abord à essayer de vous grandir sur une expiration. Et sur l'inspiration, engagez l'ouverture costale ici, par le nez essentiellement, projetez le visage vers le plafond et revenez sur une expiration, retrouvez votre étirement dans le plan vertical et relâchez. On essaye encore une fois, inspirez, rien ne se passe, expiration, grandissez-vous, rentrez le ventre, ouverture, inspiration. Aidez-vous des mains sur les genoux, ça peut faciliter les choses. Attention, ne cambrez pas au niveau des lombaires. Et je reviens sur l'expire. Bien, je viens maintenant trouver une petite option supplémentaire avec les bras. Je vous montre ici la suite. Donc, je vais ouvrir sur le côté les bras. Je vais étirer sur le côté. Et je vais projeter le coude vers le genou. J'ai toujours cette volonté d'aller projeter la tête le plus loin possible. Et en maintenant nos deux fesses dans le sol, nous tentons maintenant de déposer les deux mains le plus loin possible devant. Paume de main au sol. Lâchez le plus possible les coudes vers les chevilles tibias. Et poursuivez l'étirement.
et revenez en laissant le dos trouver cette belle diagonale. Remontez lentement et redéployez vos bras. Même chose de l'autre côté. Déposez vos mains, attention, votre main, pardon, sur le côté et surtout pas derrière, bien dans ce plan frontal. Expirez, allez chercher coude, genou. Et poursuivez avec ce même bras qui vient loin devant, l'autre qui suit, les bras parallèles. Lâchez bien les coudes, essayez d'aller toujours plus loin avec la tête. Puis bassin, lombaire, dorsale cervicale, la taille et la nuque très étirées. Je remonte en ramenant tout ça dans le plan. Et je réouvre les bras. Bien. On enchaîne avec les abdominaux ici, avec les deux pieds parallèles. Attention toujours ici, veillez à bien aligner cheville, genoux et bassin. Ne laissez jamais vos genoux se toucher ni s'ouvrir dans ce travail en parallèle. Ici, abdominaux avec un départ, dos bien étiré, dos plat, j'inspire. Dans la phase d'expiration, je commence par contracter le périnée. Et puis lentement, je place mon bassin en rétroversion. J'engage la contraction du transverse. Et je pousse avec les deux talons. J'expire toujours sur cette phase. J'essaie d'allonger le plus possible la colonne vertébrale et de projeter la tête. Surtout pas en arrière, ni trop en avant. Et sur une nouvelle expiration, je reviens déployer mon dos. J'essaie ici de poser mes mains dans les creux poplités. Sous les creux poplités, je vais grandir encore mon dos le plus possible pour aller projeter les côtes ici sur les cuisses. Armez vos talons, pieds flex. Je vais tenter ici d'aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement de toute la chaîne postérieure. En allant déposer mes mains au niveau des talons, je vais pouvoir ici jouer un petit peu sur le placement du bassin, étirer au niveau des lombaires, essayer de trouver une diagonale. Pour les moins souples, ça sera sans appui talon, un petit peu plus haut, voire dans cette verticale. Chacun fait ce qu'il peut, bien sûr, avec sa souplesse. On revient ici une autre fois refaire cet exercice. J'inspire ici et sur l'expiration, j'engage périnée, transverse. Je pousse les deux talons pour jambes tendues. Ici, j'expire toujours, j'inspire dans l'immobilité. Et je remonte, je redéploie. Je vais chercher les creux poplités. Je projette le bassin. Je cherche ici à étirer le dos sans épaule. Je peux maintenant aller chercher un bras puis l'autre, un peu plus compliqué encore, et je reviens. Ok, allez, on enchaîne ici avec un petit peu de fessier. Je vais me positionner comme ceci pour que vous voyez bien ici qu'il s'agit de petits battements et surtout pas de grands élans qui ici impliqueraient un impact sur la position de votre dos et risquerait de vous faire mal au lombaire. Donc, restez bien gainé, rentrez le ventre et effectuez des petits battements qui n'engagent absolument pas le dos. Bien, gardez le genou face au parquet, les deux mains positionnées, largeur de vos épaules. On est parti, on en fait 30, suivi de 20 petits cercles dans un sens et 20 dans l'autre. Courage, la tête reste dans l'alignement du dos. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tournez. Petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Courage. 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
fessiers ici, lâchez les coudes vers les genoux, relâchez votre tête. Nous enchaînons sur l'autre côté. Je me positionne de façon à ce que vous me voyez. Voilà, on est parti. Jambes bien tendues, repoussez bien le sol avec vos deux bras. 1, 2, ventre rentré. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tournez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 1 dans l'autre sens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, genou au sol, repos, fesses talons, coude genou. Reprenez votre souffle. Un nouveau petit étirement du dos ici. Venez positionner vos bras, vos avant-bras dans l'axe de vos cuisses, tibia. Essayez de prendre appui avec vos paumes de main. Essayez d'étirer votre colonne vertébrale. Gardez le plus possible les fesses proches des talons. On essaie d'aller chercher une nuque et une taille les plus longues possibles. À partir de là, tendez vos bras, déposez vos mains. Ici, on essaye de trouver les deux positions du chat avec, pour commencer, le dos rond. Sur une grande expiration, projetez bien le nombril le plus près possible de la colonne vertébrale. Laissez émerger ici les épines dorsales. Sur l'inspiration, je relâche. Pour trouver sur une nouvelle expiration, une antéversion du bassin, suivie ici d'un bel étirement du haut du corps qui va se terminer sur une inspire pour plus d'ouverture encore. Le ventre toujours bien maintenu, rentré. Et revient sur l'expire dans un dos très étiré. Inspire. Rien ne se passe. Expire, rétroversion du bassin. Repoussez les épines. Chaque vertèbre vers l'extérieur. La tête suit la courbe du dos. Inspiration, relâchez. Expiration, passage en antéversion. Rentrez le ventre, puis finissez sur une grande inspire pour ouverture du plexus solaire et revient sur l'expire. Ok, à partir de là, on revient. Ici, et on remet. Allez, je vous propose maintenant un petit travail abdominal. Je vous propose de tenir ici en quadrupédie. Je m'approche ici sans que vos genoux ne touchent le sol. Vous aurez donc à positionner vos orteils dans le sol, les bras tendus. Je viens déposer à fleur de sol, donc les deux genoux, en essayant de maintenir un dos très étiré, très plat. Pendant 30 secondes. On essaye ensemble, c'est parti. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, courage, 20, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, et repos. Soufflez, laissez les coudes dans le sol, relâchez. Bien, déroulez votre dos. On enchaîne avec une ouverture jambe, écart, un travail des muscles latéraux du dos, des adducteurs des jambes ainsi que des ischio-jambiers. Et mollets. Grandissez-vous, cherchez une belle ouverture dans les bras, un dos
très très étiré. Essayez de vérifier. Votre dos est bien dans l'axe vertical. N'hésitez pas à fermer vos jambes si besoin, mais ne vous retrouvez pas dans une situation où vous êtes obligé d'avoir le dos ici pour ouvrir les jambes. Donc je préfère vraiment que vous ayez les jambes très fermées. On met toujours la priorité sur le placement du dos. C'est parti avec toujours nos deux fessiers ancrés dans le sol. Pendant tout le temps de l'exercice, je vais chercher si je peux la pointe de pied. J'ouvre bien le bras opposé. Et sans épaule, je remonte le bras. Je place le deuxième bras dans l'axe du dos. J'essaie d'exercer ici une petite rotation pour aller étirer avec un buste face au sol le plus possible. Attention, veillez bien à garder la fesse opposée ancrée dans le sol. Puis laissez le bras passer devant. Réouvrez en essayant de ne pas cacher votre visage avec le bras et en essayant de garder l'épaule très basse. Remontez. Et la même chose de l'autre côté. Sensation. Hop, le bras s'ouvre. Suivez-le du regard. Et positionnez votre deuxième bras. Pensez à souffler et à expirer longuement. Je projette la fesse dans le sol alors que j'effectue ici une rotation. Soufflez bien. Ça doit tirer fort ici dans le grand dorsal. Et je viens déposer ma main, mon bras. Ouvrez sans épaule. Et revenez. Bien, on va tourner le buste vers la jambe. Essayez de garder le buste droit. Attrapez, enveloppez plutôt même l'épaule ici. Portez bien le regard loin. Remontez le coude et l'avant-bras au-dessus de la tête. Et revenez redéployer face. Même chose de l'autre côté. Attention, toujours le ventre dynamique. La main derrière la fesse. Fermeture. Allez, envelopper l'épaule. Remontez votre bras et revenez. On essaie de descendre lentement vers l'avant. Pour ceux qui pourront, maintenez le dos droit le plus longtemps possible. Puis descendez, lâchez vos bras. Poursuivez l'étirement. Ce n'est plus un étirement du dos qu'une descente vers le sol. Poursuivez toujours cette volonté ici de projeter la tête le plus loin possible du bassin. Attention également à la position de vos genoux qui doivent rester bien dirigés vers le plafond et non pas vers l'intérieur. Puis reprenez un étirement progressif du dos plat. Laissez les mains revenir. Et ok, fermeture ici. Il faut juste un petit peu d'abdos à nouveau ici. On vient pousser vers l'arrière ici, le dos. Et la rétroversion du bassin qui accompagne avec le périnée. J'expire ici, j'essaie de monter les bras légèrement plus haut. Et je reviens. Je repars une fois encore. Et repousser d'abord le sternum, puis engager bassin. Étirez, montez vos bras doucement. Attention, toujours très vigilant au niveau du placement du ventre sur l'expire et du périnée, et reviens. Ramenez vos pieds près des fessiers et étirez les quadriceps, les muscles situés devant votre cuisse. Projetez les genoux vers l'avant, rentrez le ventre, essayez de déposer les fesses le plus près possible de vos talons pour exercer un bel étirement. Puis remontez. Et on va chercher à poser les talons. Projetez les fesses vers le plafond, allongez un peu plus les jambes si vous le pouvez, et fléchissez, aidez-vous. On termine par un petit exercice d'équilibre. On va essayer ici de monter un genou vers la poitrine. Préparez déjà vos deux pieds parallèles toujours. Ouvrez vos deux bras, projetez votre regard, montez votre jambe, allez la chercher le genou avec le bras du même côté, grandissez-vous, allez chercher l'autre bras dans le plan vertical, attrapez votre genou avec ce même bras et ouvrez
vers l'arrière, le bras le plus loin possible, regardez jusqu'au bout, dans le prolongement de votre main, et revenez. Déposez pieds, même chose de l'autre côté. Genoux, poitrine, grandissez-vous, rentrez le ventre. Laissez le bras monter, projetez bien toujours votre regard. On change de main, on attrape le genou, ouverture. Projetez le regard loin, sur le côté, puis vers l'arrière, dans le prolongement du bras. Revenez. On finit avec quelques petits rebonds pour passer une bonne journée. On attrape les ondes positives et puis on expulse tous nos soucis, tout ce dont on veut se débarrasser. Donc on y va ensemble. Il s'agit d'effectuer 3-4 rebonds, de revenir sur une grande inspiration. Et donc, nous faisons ça 3 fois avant de nous quitter. C'est parti, inspirez. Allez, lâchez tout. Et 2, et 3, et 4. Allez, nouvelle inspiration. Les ondes positives. Et je lâche. Et 2, et 3, et 4. Et dernière fois. Grandissez-vous, grandissez-vous. Et lâchez tout. Et lâchez, rebondissez sur tes genoux comme des ressorts. Et voilà, ceci est la fin de notre gym douce numéro 1. J'espère vous retrouver sur d'autres propositions. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.